Je ne peux pas vous suivre si nous restons plantés là à ne rien faire. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, mon micro est bien branché, je regarde vite fait, encore c'est bon. J'espère que la journée a bien commencé, se passe bien pour vous. Me revoilà pour une session de Diablo 3 que j'aurais dû faire hier soir, mais il était vraiment trop tard. J'aurais commencé pas avant 11h30, donc c'était vraiment trop juste pour faire une session. Ça aurait été dommage pour vous, vous auriez loupé le live. Donc j'ai décidé d'en faire une petite, là j'ai un petit peu de temps. Devant moi jusqu'à 6h30, 7h moins le quart. Je vais faire une petite session d'une heure, 1h15 de Diablo. De toute façon, ça se trouve, ça va être peut-être redondant et du coup, ça va pas être trop gênant. Mais histoire d'avancer un petit peu dans le, eh bien, dans le niveau dans lequel je suis, choper du loot et tout. Donc là, je vais peut-être faire des actes pour récupérer un maximum d'armes. Ça fait un moment que j'ai pas eu, que j'ai pas fait de Diablo. Ah voilà, vous voyez par exemple là, il manque une gemme normale. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc c'est pareil, c'est ça qu'il me faut aussi. Le Millennium, le fameux site Millennium. Millennium, Diablo 3. Donc je suis sur la classe, le build de d'Arachir. Pour une classe de... Et bien de féticheur. Donc j'ai réussi à compléter toute l'armure. Maintenant il manque avoir les armes, les amulettes et compagnie pour vraiment avoir le build vraiment au top de chez top. Donc toutes les améliorations ont été faites. Le cube de kunai. Est-ce que je peux voir? C'est peut-être dans les compétences. Voilà. Le cube de kunai au niveau de l'arme, je ne l'ai pas non plus. Donc il va falloir que j'arrive à récupérer l'arme spécial pour pouvoir extraire le pouvoir légendaire et avoir vraiment les trois pouvoirs conseillés pour ce cube. Là tout ça c'est fait, hein, j'ai tout amélioré. Parangon, bon c'est pareil, les parangons c'est assez particulier. Bon voilà, c'est là l'idéal. Dans l'optique, je pars du principe que je vais pas monter plus dans les failles Nephalem, ça sert à rien pour l'instant. Je vais plutôt essayer de looter ce qu'il me faut et puis aussi de l'argent pour améliorer. Vous voyez là par exemple, là j'ai eh bien j'ai deux. Je peux remettre une troisième gemme dessus. Pareil, il y en a où j'en ai pas du tout. Là, l'arme c'est pareil, il faudrait que je la récupère. L'arme, le ceinturon. C'est pareil, il faudrait que je le loot aussi. Là, je pense qu'il faut que j'en mette encore deux jaunes. Voilà. Le but, c'est ça. Et puis, bon, j'ai le brassard et compagnie que j'ai pas non plus. Je vais regarder vite fait. Donc, c'est les topazes. Topaz. Tout est à zéro. L'idéal c'est que je fasse des topazes royales sans défaut. Donc j'ai largement ce qu'il faut dans le. Je sais plus c'est quoi comme. Comment ça s'appelle la petite fiole à droite là. Mais il manque. Bah la topaze quoi. La matière première. La topaze. Les topazes puisque je vais en avoir plusieurs. Je vais en avoir besoin de plusieurs. Donc là c'est pour ça que je vais faire des actes et essayer de récupérer un maximum. Je vais regarder vite fait aussi, c'est la difficulté. Difficulté, je suis en tourment 8. L'idéal, c'est aussi de récupérer ben, un maximum d'objets légendaires. L'argent, bon, l'argent, je crois que j'ai ce qu'il faut maintenant. Mais au moins, looter des objets légendaires et récupérer ben, ces fameuses topazes qui me permettront après d'améliorer. Parce qu'avec la thune que je vais choper, forcément. Enfin, que j'ai déjà.
Je pense que j'ai de quoi faire. Il faut attendre. Ah oui, alors là c'est pareil, il faut vraiment que je me réhabitue à ce truc. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas joué à Diablo, mais c'est une folie. Je m'en rappelle plus. Donc voilà, j'ai le crapal. Je suis bien entouré, hein. Bon, ça va être méchant. Est-ce que ça vaut le coup que je tue tout le monde? Pas spécialement. Ah si, faut que je tue quand même les 6. Faut que je tue les... Non, les 6. Les 50. Faut que je tue les 50. 50 et demi. Alors ensuite. Voilà, c'est ça. Faut que je joue avec la touche L1, R1 et R2. Voilà, tac. Et je crois que la touche rond, c'est... Non, c'est le crapaud, ok. Voilà. Le carré, je refais les touches dans le vide, c'est pas grave. Le carré, c'est pour enlever mon enveloppe corporelle et pouvoir me déplacer où bon me semble sans me faire attaquer. Un petit peu d'argent, du loot, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais revendre puisque c'est pas du légendaire. Il y a du people, hein, mine de rien, du people. Hop, je traverse la porte, hein, je m'excuse. Hop. Sont emprisonnés dans ce piège. Bon, voilà, ça va donner à fond. Que je le désamorce. Ok. J'ai presque terminé. J'aurais peut-être dû mettre un tourment 9. Je vais peut-être monter la difficulté après avoir fait tous les actes. Détruisez. Yes. Bon, ça c'est fait déjà. J'ai déjà fait une... Bah, c'est normal, c'est un apple. Non, mais c'est parce que c'est un apple, c'est pour ça. C'est iPhone. iPhone, tu peux rien faire avec. C'est parce que c'est Apple. Voilà, donc là j'ai une coche verte, c'est bon, c'est fait. Il ne reste plus 4. Bon, j'ai rien eu en loot, hein, j'ai que dalle. C'est dommage, j'ai que dalle. Dommage. Bon, je vous rassure, tout à l'heure je ferai du GTA à partir de 9h. 9h, 9h30, je sais pas après. Comme c'est les vacances scolaires, je vais peut-être essayer de prolonger l'aventure jusqu'à 21h, 23h, pardon. Mais là, j'avais pas forcément promis, mais j'avais dit que je ferais du... Eh bien, que je ferais du Diablo, et ça, j'avais envie d'en faire pendant les vacances. Et à partir de demain, je vais pas en faire, puisque je vais commencer une nouvelle aventure sur un jeu PS3. À la demande d'un follower, je vais changer, je vais faire un jeu qui change complètement de Diablo et... de Dead Space et puis de GTA, donc alors, je bois un coup, allez hop, lui fait péter. Alors là, qu'est-ce que... Ah oui, donc là c'est pareil, il faut qu'ils disent de détruire machin et tout, ça sert à rien, faut autant aller à l'essentiel, gagner du temps, sachant que à la fin j'ai une bonne prime, donc ça sert à rien de tuer les... là faut que il faut que je tue tous les ennemis, donc... Est-ce que je suis au niveau 2? J'en sais rien. Donc ce jeu-là, franchement, c'est bien. J'aime bien en faire. Mais
sais que ça sera limité encore une fois parce que je suis vraiment lassé. Boum! Mon templier, il est déjà dead. Mon templier est déjà dead. C'est hallucinant. Mon templier est déjà dead, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dort ou quoi? Ou alors, il va peut-être falloir que j'achète de l'équipement pour lui, mais ça me fait suer quand même de dépenser de la thune pour juste un compagnon. Alors. Voilà, donc on est là, il n'en reste plus que 6. Ça c'est important. Quoique, vous avez vu un peu le loot, mais il n'y a même pas un seul légendaire. Donc ouais, ce que je vais faire après, je vais changer le mode de difficulté. Et mettre en tourment... En tourment 9. Voilà, toc. Je dois rentrer en ville. Rentre en ville. Allez, encore 3 étapes à faire et c'est bon, c'est dans la popoche, la pocket. Je garde les ennemis pour la fin. Détruisez les monuments de la triade. Hop. Va t'occuper avec mon crapaud, toi. Eh, mais il se barre. Espèce de lâche. Tu t'es barré. Ce n'est pas encore prêt. Allez, hein. Tiens, hop. Oh, il y a du laser. Mais il y a du laser, ça y est, c'est la fête. C'est la mode de nuit là-dedans. Laser pas gentil. Laser pas content. Tiens. Bouffe, tu veux mon crapaud? Invocation du crapaud. Bisous blaveux du crapaud. Voilà. Voilà, faut que je détruise cette connerie. Allez. Là. Faut que je maintienne la croix infestée. Ça y est, c'est détruit. Mais c'est le bazar là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe là? Y a pas de monde? Tiens, va te soigner, vas-y. Je crois, tiens, boum. Hop. Boum. Hop là. Crapaud, invocation du crapaud pour les bisous bien baveux. Tac. Tac, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu la balade, hein. Il va falloir que j'augmente le niveau de difficulté quand même.
Boum, allez! Tiens, je te vous explose la tronche! Invocation du crapaud! Ah, je nettoie propre. C'est propre, rapide. Tac. On a juste à côté. Hop! Trop rapide. Bon, il n'en manque plus qu'un. Il est où? Oh, j'entends des biquettes. J'entends des biquettes. Toc, ah la flèche, la trouvaille. Ouais, salut Needle, c'est pas grave, merci beaucoup quand même pour ton passage. Après, c'était pas prévu hein, le stream tantôt. Hein. Je fais vraiment une petite. Un petit quelque chose parce que je l'ai pas fait hier. Et de toute façon, je reviens ce soir pour du GTA 5 sur PS4. Donc c'est pas grave. Là, c'était pas prévu, je vais streamer jusqu'à 6h30, 7h moins le quart. Donc t'inquiète pas, tu peux. C'est histoire de. J'avais envie de m'éclater un petit peu sur ce jeu-là. C'est ça que j'aurais dû faire hier. Donc pas de soucis. Je te laisse vacant à tes occupations. Puis je pense pas que là, avec ce jeu-là, il y aura beaucoup de mouvements. C'est pas comme avec GTA. Tuer les ennemis dans la crypte royale. Tiens, allez, niveau 274 de Parangon. C'est bien. Tiens. Mais il y a du monde là. Allez hop. Bon.
Ça sert à rien de rester là puisque j'ai fini la mission. La DR! Ah, j'ai même pas mis une demi-heure! J'ai même pas mis une demi-heure, c'est énorme! Alors là, qu'est-ce qu'il faut? Entrer dans la chambre de la souffrance, tuer le boucher. Ok, on va tuer le boucher. Il faut rentrer, moi j'y vais au taquet. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'avais ceux-là aussi. J'avais ceux-là. Oh! T'as un petit percepteur! On va tuer le boucher. Je l'ai tué je sais pas combien de fois, mais c'est pas, on va le retuer. Hop. J'ai pas un seul, j'ai pas eu, c'est aberrant, je n'ai pas eu un seul légendaire. Je n'ai pas eu un seul équipement légendaire. Vos actions mais avaient terminé. Ah, j'ai du ah, j'en ai eu un légendaire. Bah, non mais je veux juste. Patience. Ok d'accord. Que dalle. On va plutôt tout recycler. Oh, je suis trop content, on va recycler tout. Putain, c'est nul, j'ai que dalle. Puis j'ai pas eu de. Si, j'ai celle-là, mais. Putain. Attends, j'en ai une là aussi. Ok, alors je vais faire, je vais mettre les niveaux de parangon et je vais modifier. Attends, je vais peut-être. Non, je suis obligé de quitter pour modifier la difficulté, quoi. Alors là, c'est l'intelligence que j'ai mettée au fond, à fond. Ok. Bah, si tu mets l'intelligence, je mets l'intelligence, je vais bien, je m'en fous. Ok, bon, alors je quitte la partie pour changer la difficulté et avoir quelque chose de plus sympa. Ah merde, c'est ça que j'aurais peut-être dû faire, c'est voir si ce que j'avais looté, c'était dans le dé. Sachant que non, j'avais pas eu d'armes, je crois pas.
Alors, c'est pas si jeu, non, c'est pas ça, c'est paramètres de partie, difficulté, et là je mets en tourment 9. Ça va être plus chaud, mais en même temps, ça va être plus sympa. Bon, alors, j'ai aussi, j'ai pas des plans, j'avais pas des plans avec. Si. À créer l'ensemble légendaire du périple du sage. Ah, mais ça, je peux pas. Corruption. Hop. Mais après, je sais pas, le compagnon, ils disent pas dans le build. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le compagnon? Templier vous donnera l'est. Alors voilà, faut que je l'équipe avec l'est de Jouran. Est-ce que je peux l'avoir là-dedans? Mais c'est quoi? Apparemment, il y a un lien là. Hop. Alors, c'est une amulette. C'est une amulette. Coup. Anneau. C'est ça. Donc, c'est l'est de Jouran. Non, il n'y a pas. Ensuite, l'anneau de l'oculus. Donc, on parle de l'anneau de l'oculus. Il n'y a pas. Il n'y a pas du tout quoi. Il a quoi lui le compagnon, j'ai envie de. C'est quoi? C'est une épée, c'est une dague. Une dague rare. Je vais lui racheter une dague. J'ai de l'argent. Là, j'ai celle-là. Alors par contre, il faut tout améliorer, quoi. En attaque, il est moins fort. En... Est-ce que je peux pas l'améliorer avec un... Justement, avec de l'argent? Je vais l'enchanter. Alors... Là, l'expérience, ça sert à rien. Le templier, il lui faut quoi? Dédié aux compagnons. Ils ont un guide dédié aux compagnons? Je regarde un petit peu. Hein. Par mon compagnon, introduction. Équipement des compagnons. Voilà. Templier. Alors, le Templier, lame de tonnerre, épée bénie du machin. Une arme de choix qui vous permet. Alors, hop. Merde. Ah, c'est une épée légendaire, donc c'est lame du tonnerre. Mais je suis sûr que je vais pas la trouver comme ça. Lame de... Ah, j'ai une lame de tsunami. Là, c'est vraiment une lame tonnerre, mais non, j'ai pas celle-là déjà. Alors, perte du piégé. Si vous voulez bénéficier du bonus de dégâts de la perte du piégé, dague. Là, j'ai une dague aussi. C'est quoi? Donc c'est. La dague, c'est une jeanne d'eau. C'est bizarre que j'ai ça pour les templiers.
Non. Et il me semblait que je l'avais en plus. Dague légendaire. C'est à looter ça. Voilà, c'est Hydre bleu. C'est quoi ça, Hydre bleu? Je regarde en même temps parce que là, épée à une main. Mais encore, c'est encore une épée, mais. C'est quoi Hydre bleu, mais à mon avis. Je sais pas trouver là-dedans. Non. Ensuite, glace déviante. C'est un bouclier. Et je sais pas ça si c'est à looter ou pas. C'est glace déviante, ouais. J'en ai du bouclier, mais. Non, j'ai pas non plus ça. Frayeur enchanteresse. J'ai que dalle, quoi. Donc, ça, c'est quoi? C'est une relique. La relique. Est-ce que je peux tourner ça là? Peut-être là non? Non. Là non? Non? Sur un compagnon? C'est une relique, c'est. C'est ça? Faveur? Non? Non, du tout. Du tout, du tout. Bon, là j'ai trouvé comme un truc sympa pour le Templier. Merde. Voilà, le Templier. Donc, La fortune sourit aux audacieux. j'ai rien du tout là à récupérer malheureusement. C'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible, terrible. Bon, je reteste. Alors, entrer dans la crypte délabrée, entrer dans le niveau 2 délabré, donner le repos à la famille. Donc, là, c'est assez long. Donc là, ça, je vais mettre plus de temps à les battre. Et forcément, je vais mettre moins de temps à crever. C'est hallucinant. Longtemps.
J'ai besoin d'assistance. Je prends cher en dégâts par contre. Ouh. Donc là, la difficulté est quand même légèrement plus forte que l'autre. Donc, d'accord, on va abréger la souffrance. Si c'est pas la mienne, qu'on va abréger d'abord. Je les entends. Ils creusent. Restez sur vos gardes. Les esprits sont fourbes. Tu es la famille. Le père, la mère, les frères et les sœurs. Les cousins, les cousines, on tue tout le monde. Hein. Et là, par contre, ils sont costauds, hein, les loustiques. Tiens, hop, un petit coup de crapaud dans la tronche. Je ne peux pas faire ça. Je dois attendre. Hé, manqué. Oh la vache. Toc, toi tu feras plus mal déjà. Ouais, je suis sur Diablo Kiku. J'aurais dû le faire hier. Tu vois, ça change, hein. Ça change des GTA. Et je te rassure, je vais refaire ce soir du GTA. Ma famille peut enfin reposer en paix. Bah ouais, j'ai toujours pas vendu mon jeu Diablo. Parlez à Wicca machin. Yeah. Non mais c'est bon, arrêtez là, c'est fini. On a fini, on a gagné. C'est l'heure de rentrer à la maison là. Je dois rentrer. Ouais. Bah en fait j'essaie de récupérer c'est ça. Je veux avoir le build au top en fait de ce perso. Avant la fin de la saison, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Je sais pas toi ce qu'il en est toi, si tu... Est-ce que tu as avancé un petit peu là? T'as refait un petit peu? C'est ça que... Entre le blackout de Call of et puis le GTA, je pense que ouais, t'as dû lâcher un petit peu Diablo. Il faut que j'appelle peut-être mon crapaud. Non, pas rejouer. Ouais, les périodes. Tu vas peut-être y rejouer au mois de juin pour la saison 17.
Ouais, je suis sûr que tu vas rejouer au mois de juin. Allez, va exploser toi. Quand même, wow. Ouais. Ouais, ça sert à rien ce truc là. Si tu es de la merde, la malfaisance te condamne. En tout cas, Kikou, si ça t'intéresse, moi je te dis, je joue à Diablo à partir de 9h ce soir. Diablo GTA, pardon. J'ai ragé encore sur GTA. Avec les petits enfants. Je vais te démolir avec mon Tomahawk. Ta voiture. Tu joues pas? Bah c'est pas grave. Eh, c'est pas grave, on jouera un autre jour. Ah ouais, peut-être que ouais, t'es pris par autre chose, je pense. Mais je t'ai démoli toi. Bah ça y est, j'ai... Ah ouais d'accord, ok, bon, ça y est, je les ai déjà démolis les autres. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, oh, je suis niveau 275 de paragon. Ouais, je suis trop content. Oh, tu regardes un film? Ah ouais, il y a des films sympas ce soir à la téloche. Non, je vais pas vous tuer. Ça va me faire de l'expérience. Potion magique. Appeler le bou. Nouveau départ là. Ah, je connais pas. Ah, je suis mort. Ouais, on a plein de bien faire. Je suis mort. Ah non, c'est pas grave, je suis trop fort. Trop bon. Ouais, je connais pas Nouveau Départ, c'est quoi comme style de film? C'est de la comédie, c'est de la tragédie, action? Non, je pense que c'est plutôt de la comédie. Vu le titre. Tiens, en fait, Kikou, si tu veux voir, t'es curieux, j'ai mis dans le Discord, on peut voir une brève apparition de madame. Elle commence à passer à la télé, là, on la voit de plus en plus. On voit pas encore sa tête, enfin, une partie de sa tête. Et tu vois, prochainement, on va la voir, elle va passer à la télé. Elle veut se montrer. J'ai halluciné quand j'ai vu le replay hier, je suis waouh. Ça, puis elle veut se montrer. Il est blessé, bah soigne-toi. Ok, vas-y, maudis-moi. Comédie dramatique, ouais, ça me parle. Ouais, ça. C'était à prévoir. Ouais, mais ça peut être sympa en fait, la comédie dramatique. Ça y est, des acteurs connus dedans. Ouais, lui, il va m'exploser la tronche. Ah, mais non, c'est dégueulasse là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je veux la kill cam là, je veux la kill cam, je veux voir qui c'est qui m'a tué.
Mais c'est quoi ce délire? Il y a un truc qui fait que quoi? Matt Damon? Ah, je croyais que c'était français, tu vois. Quand je voyais Nouveau Départ, je pensais que c'était français. Donc ouais, c'est un blockbuster américain, alors. Ouais, j'ai gagné. Bon, bah, y'a rien d'autre à faire. Mais ouais, ça. Faudrait que je le regarde, c'est quête ce film. Moi, je regarde plus les films Arte, donc c'est pour ça que je regarde pas les films TF1, ça me dit rien. Je regarde plus les vieux films, en fait. Mais il est récent le film, ça me parle un petit peu. Nouveau départ, je serais pas surpris de l'avoir vu une fois, mais je me rappelle plus du titre. Mais alors, tuer les ennemis dans les autres terres du Nord et dans le manoir. Bon bah, je suis là-dedans, ok. Ouais. Attends. Bon. Je vais aller voir sur un Discord. Qu'est-ce qu'il fait, Discord? Alors. Alors, le Discord. Ok. Je regarde, le temps qu'elle s'affiche la page, hein, c'est avec la fibre optique, ça met quand même 10 secondes à s'afficher une page, donc c'est pour ça. Toi, tu passes à la télé là encore, hein? Tu veux passer encore à la télé? C'est ça? T'as pas suffi là? Ouais, ça. Arrête de faire le pitre. Fais gaffe, hein, y a Kikou qui est là, il t'écoute, hein, il t'entend. Hein. Il a entendu que tu buvais une bitch là. Ah ouais. On vient faire son deuil d'élever son fils Dylan, 14 ans, et sa fille Rosie, 7 ans. Il vient de rencontrer des problèmes au collège et finit par être envoyé. Ça me parle pas. Hein? Il y a un film que tu dois regarder ce soir. Tu vas kiffer. C'est dans ton style. Nouveau départ sur TF1. Je te le conseille. C'est quoi mon film? C'est un comédie dramatique. Toi, t'aimes bien ce style de film. Bah, c'est une comédie dramatique avec Matt Damon. Ah ouais? Ouais, sur TF1, tu le fais. Et tu peux remercier c'est Kikou, c'est lui qui m'a dit ça. Hein? C'est quoi l'histoire? Bah, histoire de. Fallait écouter. Bah, bah, tiens, ça va être la surprise, tu vas regarder ce soir. Hein? Mais ouais, ça a l'air appétissant comme programme ce que tu fais, je comprends maintenant pourquoi tu joues pas ce soir. Je serais pas surpris, c'est que TF1. Capte pas mal d'audience parce que au final bon par contre va falloir prévoir les Kleenex hein, parce que ça a l'air d'être assez triste quand même. Regarde sur le site de Télé Loisirs Fanny. Ah bah tiens, j'ai même ma belle-mère qui va le regarder Kikou. Kikou. Un nouveau départ, ouais. Il récupère un zoo. Ah d'accord. Ah, donc il récupère un zoo. Mais ouais, bah j'ai vu. Du coup, j'ai ma femme et ma belle-mère qui vont regarder ce film-là, je crois. Bon, sachant qu'on a notre dose, hein. Tu sais, si t'aimes bien la comédie dramatique, tu verrais sur Arte, mais il y en a pas mal des films dramatiques. Hein. Bon, ils sont un peu plus vieux parce qu'ils ont les années 40. Mais celui-là, ouais, il a l'air de bien. Bon, moi, je sais pas. Je sais pas si elle replay ou pas, mais. Mais je l'ai jamais vu en fait ce film. Jamais vu. Hein. Il a l'air pas mal. Bah oui, tu vois, Kikou il va pas jouer, il va s'empêcher de jouer pour regarder ça. Voilà.
En tout cas, merci pour l'info, Kikou. Comme ça, madame, elle va pas s'ennuyer ce soir. Elle va pas faire de bêtises, hein. Elle sera sage comme une image. Ah, faut que j'invoque peut-être là mon crapaud. C'est un super film, bah ouais. Ouais, elle a vu le synopsis là tout à l'heure. Là. Et ouais, elle est très emballée, donc je pense qu'elle va le regarder. Donc ouais, bah te remercie hein, d'ailleurs Kikou pour l'info, parce qu'elle aurait jamais regardé. Hein. Elle aurait fait, je sais pas, du Last of Us. Ma femme. Là non, elle est repartie. Mais elle est passée à moitié ce matin à la télé. On l'a vu un petit peu vite fait. Bah le visage complet, mais une partie du visage. Mais elle se rapproche petit à petit. Elle passera, de toute façon, tout le temps, elle passera. Je ne peux pas faire ça. Ce soir. Bah, c'est ce soir le film là que tu m'as dit, Kikou. Merde, j'ai invoqué un crapaud pour rien, quoi. Et le boulet... Toc, allez. Bon, évidemment, c'est quand je termine que les autres y rappliquent. Non, elle passera pas à la télé. Enfin, je dis à la télé, dans le live, quoi. C'est sûr que ce soir, elle passera pas. Mais elle passera un jour, c'est sûr. Ouais, elle regardera le film, ouais. Sauf à la pause. Sauf à la publicité. Elle peut peut-être bouger. Bon, après, hein, c'est une fille comme ordinaire, hein, je veux dire. Bah, c'est ma copine, quoi. Tout. Mais en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, elle a envie de... Elle cherche à passer devant la caméra, donc. Ah, ouais, toi, t'es tranquille, hein, ta femme, elle veut pas... Elle a pas l'air de chercher à passer devant la caméra. La mienne, elle aime bien se montrer. Non. Alors, faut que je rentre dans la croûte. Du tout. Pourquoi tu dis ça du tout? Ah ouais, elle passera pas du tout. Ouais, ça c'est pas son truc. Bah après, si c'est pas une gameuse, c'est un petit peu normal. Elle joue pas du tout, ta femme. Ah si, elle jouait, c'est vrai, elle joue à Diablo, puisqu'elle a joué avec nous l'autre jour. Mais ouais.
Mais je vais dire un truc, moi au départ c'est pareil, hein. Ma femme elle voulait pas passer, elle dit non, je passerai jamais et tout, je passerai pas. Finalement maintenant, elle voit qu'il y a du monde sur le live, bah elle passe. Et plus ça, plus elle se montre. Ah, c'est 4, on va voir complètement, mais après voilà, ça dépend des personnes. Si ta... Bah oh, Marc, la mienne elle stream pas non plus. Je pense que ta femme joue moins que la mienne. Et c'est dommage, j'aurais voulu voir voir Madame Kikunoob. Moi j'aurais voulu voir. Qui c'est Madame Kikunoob? Alors c'est même pas là qu'il faut que j'aille. C'est même pas là qu'il faut que j'aille. Oh non. Non, c'est bon, j'ai pas eu de dégâts. T'as fini, ouais, de faire des... la danse, là. Oui, sinon... Non, mais il y a des personnes qui me regardent, hein, je te signale. Il y a des personnes qui me regardent. Wouah, la vache, j'ai eu de l'argent. C'est même pas là qu'il faut que j'aille. Merde. Ah, c'était pas par là? Par là? C'était par là. Oh la vache, comment il a explosé, j'ai même eu un légendaire. Bizarre, j'ai l'impression d'avoir passé ce chemin là tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes.
Ça y est, j'ai réussi, mon templier il est complètement KO. My templier is KO. KO de tout. Bon bah voilà, ça y est. Alors il n'en reste plus combien là? Ah, c'est le dernier. Oh, c'est bon, j'ai pas vu le temps passer. Bah ça, je l'ai déjà fait ce truc là. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Et déjà KO mon templier. C'est dingue, il tient pas du tout cool le templier quoi. Il va vraiment falloir que je lui change son équipement à lui. Putain, fini. Si t'arrives. Run Death, comment ça va? Depuis tout à l'heure. Ça va nickel, t'as passé une bonne journée, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as fait un peu de stream ou... Qu'est-ce que t'as fait du coup? Tu es retour, bah qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais faire quoi en fait pendant ma séance? Ah la vache! Ouais, je suis mort, hein, en regardant le chat. Et t'as lâché l'affaire, t'en avais marre? Peut-être. Ah, tu as poussé sur toi? Bien, bien, bien. Nickel, il faudra que j'aille voir après. D'ailleurs, hier, tu sais, j'avais commencé à te regarder, puis bah, j'ai pas pu te suivre à la fin. Parce que en... J'ai mon beau-frère qui s'est pointé, qui était là, donc je pouvais pas te regarder pour finir. Ouais. Donc je suis même pas parti pour te dire au revoir en fait, parce que bah en gros il est parti, il était 23h30. Je sais pas toi quand est-ce que t'as terminé ton live, mais je t'ai regardé un bon moment quand même. Je vais regarder une demi-heure trois quarts d'heure facilement. Je vais plutôt regarder une demi-heure trois quarts d'heure. Mais j'ai pas eu le temps. Ah ouais, 21h30, bah ouais, non, il était trop tard en fait. Il était trop tard, j'ai pas pu. Mais je suis venu, hein. Déjà, il y a vraiment du mieux avec le son. Là, il n'y a pas photo. Hein. Par contre, je suis un peu déçu parce que... Le message que j'ai mis sur le Discord, bah personne n'est venu. Alors est-ce que c'était parce que c'était sur le temps de manger, j'en sais rien. J'espère que t'as eu quand même un peu de visite pendant mon absence quoi. Allez, bam! Oh, il est pas content, lui! Il est pas content! Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la vie. Enfin, gagner en perdant. Je dois rentrer. Bah, rentre en ville. Allez, hop. Le monde est plus... Vous avez terminé tout. Ouh! Il y a des trucs là, c'est quoi ça?
Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Faut aller dans le bouquin. Faut aller dans le bouquin ! Ok. Oh la vache. Le Ketsuko Atoll, ça c'est des trucs que je peux pas garder quoi. Épaulier. Pâte d'arachir, si, je peux la prendre. Je peux la garder. Full plaintive. S'il y a des choses que j'ai quand même gardées. Je savais pas que j'avais tout ça en casque. Non. abos sur YouTube. Alors l'autre fois t'en avais combien? 27 quand je t'ai vu hier soir. T'en avais 27, donc t'en as récupéré 10. Et tu sais pas si c'est des abonnés de Twitch, des followers de Twitch. Merde, c'est con ça, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Machine. Ah, j'ai pas eu de... Merde. Ah zut, ça c'est ballot, j'ai pas eu de... De tout... Comment ils appellent ça, là, les... Des modèles. Ah, tu sais pas si ça va, t'as pas d'idée. Bah, j'espère pour toi que, ouais, ça peut être des nouveaux aussi. T'as mis quoi, en fait, en vidéo? Bah ouais, bah là, déjà, tu vas pouvoir faire venir du monde, en plus, hein. Des rediffs de live, ouais, mais quel live, quel jeu quoi. Donc là, ok. Alors, est-ce que j'ai la non? Pourquoi j'ai tout ça? Ouais. Donc ça se trouve c'est le Overwatch. À mon avis, c'est l'Overwatch qui attire, parce que moi, je vais m'appuyer là-dessus maintenant pour faire mes lives, mais je vais pas me contenter que là-dessus aussi. Mais si tu streams un jeu qui n'est pas très, où il y a très peu de spectateurs, parce que tu peux regarder avec Twitch les jeux qui sont les plus regardés. Et moi, je me suis dit voilà, je vais streamer un jeu dans le top 10. Donc là, dans l'occurrence, c'est GTA. Et en parallèle, je vais streamer des jeux qui sont moins bien regardés, mais qui sont tout aussi bons. Histoire de me faire un peu plus de... de me faire un peu plus connaître, quoi. Donc moi, je te conseille de faire comme ça, mais je crois qu'Overwatch, il est bien placé, lui. Il est bien classé. Jump Force, laisse tomber. Mais Overwatch... Qu'est-ce qu'elle a, madame? Ah, toi, tu veux repasser encore à la télé, c'est ça, hein? Je l'ai dit, hein, de toute façon. Je l'ai dit que tu passais à la télé. Et ouais, hein. Hein, t'as vu Needles hier? À 1h15, dans... T'as arrêté? Faut pas forcément arrêter, va jusqu'au bout. Parce que, voilà, l'idéal, c'est quand même d'aller jusqu'au bout. Montrer l'histoire à fond. Lâche pas le jeu tout de suite comme ça... Ah bah c'est normal qu'on voit juste son menton. Bah c'est tout à fait normal. Elle est un peu timide. Bah t'inquiète pas, je suis sûr que prochainement elle va afficher sa trombine complète. Elle aime bien de toute façon. Ah mais c'était apprêté, elle dit tiens je vais passer à la télé. Bon alors moi ce que je veux c'est voir si j'ai pas des... Là, non. J'ai pas eu l'S de machin et compagnie. Qu'est-ce qu'il me fait? Lame tonnerre et puis... Bah ouais, puis j'ai rien du tout là. J'ai eu que dalle. C'est abusé. Ah bah tiens, le v'là, c'est ça qu'il faut que je mette à mon... L'aise de Johan.
Ça, il avait dit ça, dedans. Amulette. Ça, il faut que je le mette. À mon templier. Compagnon. Il reste pas que dalle. Est-ce que je peux améliorer des trucs? Oh, punaise, c'est quoi ce truc? Ouais, non, c'est chaud. Je sais pas du tout. Je me rappelle plus comment faut faire. Bon, pour les dernières minutes, je vais faire une faille. J'étais dernier niveau, niveau 40. Et niveau 40, c'est... Sinon, j'ai pas de clé. C'est tourment 9. Bon, bah comme ça, hop. Je vais me faire une petite faille néphalème et puis bah, après, je m'arrêterai puisqu'il est déjà... Ah oui, il est déjà 7h25, mine de rien. Je me fais une faille néphalème puis j'arrêterai après. Ça, c'était vraiment une courte session. C'était histoire de... Ouais, parce que... Bon, ça, c'est le truc que j'aurais dû faire hier soir. Mais comme je suis arrivé, il était 11h30 quand mon beau-frère est parti. Donc... Enfin, je pouvais pas vraiment, à 11h30, commencer un stream. Je sais qu'il y aura personne qui sera venu, quoi. Quand je vois là aujourd'hui là j'ai encore eu pas mal de visites hein. Tantôt là sur rien que là pendant une heure j'ai eu pas mal de visites. Je pense que c'est des followers. Mais bon, ça fait toujours du view quand même. Ouais, ça c'était hier ça. Hier j'en ai eu 3 hier followers. J'en ai eu un avec Gran Turismo, bah t'étais là. Hein. L'anglais. Enfin il parle anglais mais il est peut-être pas anglais. Et j'ai eu 2 followers à GTA. Donc GTA ça marche puisque c'est le 6ème jeu. Enfin hier c'était le 6ème jeu le plus regardé. Donc, c'est pour ça que je lâche pas GTA pour l'instant puisque c'est un jeu qui est regardé, je le possède. Je ne peux pas faire ça. Boum! La malfaisance te condamne. Là, il me reste plus que 6 followers pour être le... Comment ça s'appelle? Affilié Twitch, mais... Ce qui est con, là, c'est que on a plus... Je sais pas si toi, tu l'as, le résumé. Tu le reçois toujours, le résumé? Moi, je ne reçois plus le résumé de la diffusion. Ça me fait sûr. Tu le reçois encore? Moi, je reçois un résumé de Streamlabs, mais le résumé, sinon, je suis obligé de le récupérer, d'aller voir sur Twitch, quoi. Mais sinon, j'ai plus le résumé. D'habitude, je le reçois. Avant, je le recevais par email, et là, je l'ai plus. Et ça me fait sûr parce que... Bah, je me dis déjà, qu'est-ce qui va se passer si je remplis tous les... Bah toi, on a dû te prévenir que tu avais rempli toutes les conditions pour être affilié. On te prévient, on t'envoie un message pour te dire que c'est bon ou pas. Parce que moi, je pense que d'ici quelques jours... Ouais, on t'a un message. Bah, j'espère que je vais le recevoir, moi. Parce que je pense que d'ici quelques jours, je vais l'avoir, hein, l'affiliation. Enfin, je remplirai les... Je vais remplir les conditions, hein, vu comment ça va vite, là. Ah merde, je suis mort. Attends, je vais l'appeler.
Enfin, on me verra, hein. On verra quand je serai affilié. Pareil, ça va me demander du temps. C'est pour ça que j'aimerais bien y être cette semaine. Comme ça, moi, ça me laisse le temps là, de voir ce qu'il faut faire, ce qui s'offre à moi. Parce que je pense qu'il y aura de la doc à lire, des choses comme ça. De quoi on est capable avec l'affiliation Twitch, tout ça. Ah, oh, mais c'est pas possible. Je suis vraiment très. Ah, mais en fait, il y a des trucs électriques qui me suivent. Sinon, t'as pas remis le nez un petit peu dans le Rome Station ou pas? Comme je t'avais dit. Pas trop? Ah, n'hésite pas, hein, quand t'es décidé, si tu veux, on peut voir ça ensemble aussi. Hein. Ça peut être un petit peu déroutant au départ parce que c'est un peu, c'est pas l'usine à gaz, mais il y a beaucoup de choses, quoi. Et au niveau des paramètres. Et ça marche super. Non, mais non. Ouais, il faut de la topaze là. Ah ouais, ils sont méchants quand même. Hein. Merde. Je ne peux pas faire ça. C'est du tort en pièces.
besoin de soins. Ah vache. Il est pifoule là. Oh, je sais plus, j'ai fait combien, 300 et quelques victimes d'un coup, quoi. Ce n'est pas encore prêt. Regarde, c'est un fût de sac. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Par là plutôt. Peut-être prendre ce truc là. Encore un fût de sac. Il me reste 8% et je tombe que sur des fûts de sac. Oh, ceinture. Je dois attendre. Le gardien de la faille est là. Oh, c'est une araignée. Moi aussi j'en ai une araignée. Tiens, hop. Oh, c'est une bizarre, une araignée bizarre quoi.
La lieuse. Oh, le cri d'agonie, mais c'est énorme ça. Ah, l'attaque. Bon. Eh ben, laisse rentrer à la maison, le pépère. Moi, j'aurais une clé. Ok. Alors, j'ai vite fait faire un petit peu de gestion de loot. Et là, pommel. Il y a des trucs que je vais jarter et d'autres que je vais garder, mais. Serpent. Oh punaise. Bon. Je vais. Alors, il y a celui-là. J'ai raté, mais. Ok. Et celui-là, je crois que je l'avais déjà mis, donc là je vais pouvoir recycler tout ça. Ouais, je vais recycler. Ouais, ça je vais recycler aussi, à pas me servir. Au final, je l'ai acheté pour rien. C'est pas grave. Donc ensuite, bon bah tout est là, j'ai rien fait. À part augmenter de quelques parangons, j'ai rien fait. Ça fait une heure et demie que j'ai fait ça, et au final, j'ai rien eu quoi. Bon bah c'est pas grave, hein. C'était histoire de faire un petit peu de Diablo 3, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, entre deux parties de GTA, puisque bah, tout à l'heure je vais refaire du GTA, donc n'hésitez pas à revenir à 21h, ouais, surtout ouais, sur le coup de 21h, pour du GTA 5 online, ça va être du 21h, 22h30, 23h, je sais pas. Mais vu que c'est les vacances scolaires, tout ça, et que j'ai pas beaucoup streamé vraiment par rapport aux autres week-ends, je pense que je vais faire au moins une demi-heure de plus ce soir. Donc n'hésitez pas à revenir ce soir à 21h hein, pour voir un petit peu les petits gamins m'exploser la tronche, puisque ça les amuse, et me voir rager, ça peut être marrant. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup eh bien, d'avoir été présent pendant cette heure et demie. Ouais, comme d'habitude, Needles, effectivement, on va retrouver encore des petits gamins qui sont là pour pourrir la partie, ça change pas malheureusement. Donc bon, c'est le temps d'heure. Mais hier j'ai réussi, il y en a un qui s'est barré parce que je pense que l'expulsion ne lui a pas suffi. Je lui ai envoyé un message et après mon message il s'est barré. Donc des fois envoyer un petit message avec le petit smartphone en bas à gauche de... à droite, pardon, de l'écran, bah des fois ça peut les calmer hein, en disant arrête tes conneries, tu fais chier, hein, même en disant tu fais chier, hein, sans insulter, mais juste dire que tu t'es pas le bienvenu ici, ça peut les refroidir, hein, surtout quand c'est des gamins. Donc bon, bah, je vais continuer cette méthode là avec les petits gamins, ça peut être drôle mais agaçant pour nous adultes bah de jouer avec des gamins qui respectent pas les règles quoi. C'est marrant sur le coup, mais qu'on sait tout le temps, à chaque fois que tu rejoins une partie, tu te balades en ville et que tu te fais exploser ta caisse parce que t'as un abruti qui a l'hélico avec des roquettes, c'est voilà. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, voilà, je vais revenir ce soir à 21h. Normalement, il n'y a rien qui puisse m'empêcher. Il est 7h, ça me laisse 2h pour venir. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Needles, pour ton... Une petite bestiole, là. Je te remercie beaucoup, Needles, pour ta présence sur le chat. Hein. Je remercie aussi Kikou Noob, qui est venu tout à l'heure me faire un petit coucou comme ça, parce qu'il a vu que j'étais en train de faire du Diablo. Et oui, Kikou, je suis encore en train de faire du Diablo. Je l'ai toujours pas vendu. De temps en temps, je vais y rejouer. Ça fait très plaisir de vous voir tous les deux sur le chat. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous tous. Encore merci. Hein. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour GTA 5. Allez, à tout à l'heure.